Barricadez-vous. La tant attendue tempête du siècle arrive. Et il va y avoir un vent à décorner les cocus. Assurez-vous d'avoir suffisamment de provisions. Mes fidèles auditeurs auront déjà fait le plein de Jameson Bacon, qui dure plus longtemps que des retombées radioactives. Dans un tout autre registre, si vous aviez prévu de faire découvrir Trinity Church à vos beaux-parents, j'ai une mauvaise nouvelle. Certaines parties de cet édifice emblématique ont été réduites en miettes lors d'un énième affrontement entre Spider-Man et Tigre. Heureusement, Roxxon a rapidement pu sécuriser la zone. À l'heure qu'il est, on a perdu la trace des deux menaces masquées, mais... Ta mère est venue habiter ici juste après la fac, tu savais ça? Ton père et elle sortaient ensemble. On passait pas mal de temps ici, tous les trois. On s'est vite habitués à ce rythme léger et régulier. Un rythme doux. C'est pas très régulier comme son. Et pas doux non plus. Un rythme régulier. C'est subtil. Et ça fait un bon beat. La vie était belle. On pensait que ça durerait toujours. Ta mère a décroché son premier poste d'instit. Ton père venait d'intégrer la police. Et moi, je commençais à me faire appeler le rôdeur. On avait tous les trois des aspects de notre boulot qu'on voulait garder secrets. Mais ça ne pouvait pas durer. Mon boulot et celui de ton père étaient trop souvent en conflit. Claronne. T'aurais pu choisir n'importe quelle autre voie et maman et papa t'auraient soutenu à 100%. Hé, hey, j'ai trouvé la cachette de Finn, le forum des sciences Oscorp. Fermé pour rénovation. Ça doit être quand c'est balancé, non? Celui-là était une idée de ton père. Il faut toujours avoir un point de ralliement dans un parc. Calme quand on est seul, animé quand on est en groupe. Animé quand on est en groupe? Non. Pas mal. Mais c'est sûrement trop subtil pour marcher. Sûrement un truc qui est toujours là, comme des oiseaux ou des arbres. Non, pas des arbres non plus.
Il y a quand même pas mal d'oiseaux dans le coin, c'est peut-être ça. Le pont, c'était pas ta faute. Hey, prends la pause. Je suis allé trop loin, je crois. Non, pas par là. T'es là? Ouais, donc, le forum des sciences au Scorp. T'y trouveras le nuforme de Finn. Oh non! Le convertisseur d'énergie avec lequel on a gagné l'expo science au collège. C'est avec ça qu'elle va finir de rendre le uniforme instable pour faire sauter à Roxanne Plaza. Wow. On dirait presque qu'elle a fait exprès pour se venger de toi. C'est peut-être le cas. Merci, Ganki. C'est normal. Bon, je dois aller aider ta mère à évacuer Arlette. A plus. Ok. Forum des sciences Oscorp. Il faut que Finn sache ce qui va arriver si elle applique son plan. Et si elle m'écoute pas? Je volerai le nuforme. Je le détruirai s'il le faut. Encore un Noël de passé. Hey, la plupart des gens sont pas faits pour être des super-héros. Et quoi? Tu veux que je me planque? Je suis pas Spider-Man juste quand ça m'arrange. Je dois arrêter Finn. Non, tu dois vivre. J'essaie de te le faire comprendre, mais tu n'écouteras rien. Si tu t'inquiètes autant pour moi, pourquoi tu m'as balancé à Krieger? Je t'ai pas balancé. Ouais. Je suis sérieux. Ils étaient pas censés t'emmener. Krieger me l'avait promis. Tu veux refaire partie de la famille? Et t'as rien trouvé de mieux à faire? Je t'ai sauvé la vie. Tu m'as enfermé.
pour ta protection. C'est comme ça que tu me protèges? Bon sang, Miles! Je veux pas te perdre aussi! Et moi, je veux pas laisser des gens mourir, juste pour sauver ma peau. Tu m'as sous-estimé. Miles, non! N'essaie pas de lutter! J'ai pas envie! Mais je peux pas rester dans le trou! Alors je ferai ce que j'ai à faire, pour te protéger! Son camouflage! Je peux le faire crier! C'est pas du tout moi le problème, c'est toi! C'est toi qui as peur! Ne me mets pas ça sur le dos! Quand est-ce que tu vas comprendre que je suis obligé de me battre pour cette ville? Et toi, quand est-ce que tu vas comprendre que tu pourras pas le faire si t'es mort? Si mon père nous voyait maintenant... Il aurait compris que j'essayais de te protéger. Autres. Qui inspire les autres maintenant?
T'as jamais voulu accepter que je sois Spider-Man, que je dois prendre des risques. C'est vrai, je peux plus voir des membres de ma famille mourir en son rayon. Tu disparais, hein? Je sais que ça durera pas. Où est-ce que ça va aller? Tu vas te faire tuer pour prouver que tu mérites de porter ça. S'il faut aller jusque-là. Une famille? Ça t'a pas empêché de me mentir, de me manipuler, de me combattre? Être une famille, ça suffit plus. Je veux pas que ça se termine comme ça. Qu'on devienne ennemis, toi et moi. C'est déjà ce qui est arrivé avec ton père. Je veux pas que ça recommence. Moi non plus. Mais je serai jamais celui que tu veux que je sois. Je peux pas laisser tomber les gens qui ont besoin de moi. Je dois être meilleur que ça. Donkey, mon oncle vient de me kidnapper. Il m'a enfermé.